Salut à tous, à toutes, c'est Génétique. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Donc, je reviens, vous inquiétez pas. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un défi. Donc, le défi, comme vous voyez à l'écran, c'est de jouer avec Mertesacker en seul buteur. On va essayer. Je n'ai jamais joué avec ce joueur, je ne sais pas ce qu'il vaut. Mertesacker, on le connaît tous. Il est lent. Il est très lent. Mais il est grand. Donc, on peut peut-être faire quelque chose avec sa taille. Donc, c'est parti. Ok, les gars, on a trouvé un adversaire. Son équipe s'appelle 6969. Il apporte de l'intelligence, lui, déjà. Ok, il joue à deux. Vous avez bien vu. Il joue à deux. Donc, ce qui veut dire jouer à deux, dit Genetics, il va perdre. On tombe contre une BPL, une petite BPL avec un Thibaut Courtois au goal qui, je trouve, moi, je trouve qu'il est dégueulasse comme gardien dans FIFA. Ensuite, on a Lukaku, le MC, c'est celui qui a été up là, je crois. Et c'est parti. Pour corser un peu le truc, j'ai pas joué à FIFA depuis au moins 2 semaines. Ce qui veut dire que j'ai pu jouer. Alors déjà qu'avant, je savais pas très bien jouer, tu vois. Alors là, avant j'étais nul, mais là je suis la pire des merdes. C'est pas beau ça. Tacler comme ça, c'est pas très beau. Hein. Dans le monde du football. Ok, il est là. Il est là-bas. Donc si je mets le centre ici. Ouais, bon, non, c'était pas à lui, mais. On a tenté. Oh. 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 C'est dommage. C'est dommage parce que c'était une belle contre-attaque. But. But. C'est une blague! C'est une blague, putain! Non, mais il avait fait. Mais non, mais. En fait, je retire ce que j'ai dit. Courtois est très très bon. Dans ce FIFA. Hors jeu, un peu. Ok. Ça, c'est beau, ça. 1-0. Et j'ai pas de chance. Franchement, j'ai pas de chance. Je viens de faire tomber mon portable. C'est bon, ne vous inquiétez pas, il est là. Non mais ça fait combien de poteaux d'affilée là? Ça fait 3 poteaux d'affilée, un de Mertesacker, un de Mahrez et un de Depay, sérieux mais c'est une blague. Ouais quand même. Oh mais c'est sale comment il joue, c'est sale. Goal! Yes! Oh mais et n'empêche. J'ai pas de chance, mais en même temps, j'ai de la chance, on va dire. J'ai pas de mots en tête, mais. Je tire à chaque fois sur le gardien, mais ça rentre. Ou alors, c'est poteau. Moi, j'arrive pas à aller à LBY. Oh, quelle tête qui t'a mis! Oh là là, la tête surpuissante! Oh mon dieu! Putain, j'en reviens pas! Oh. Regardez ça! Il t'a mis une tête surpuissante! Waouh! La vitesse! Pas de rage kid, j'espère. Non, je pense pas. J'espère pas. Ah. Là, on va rigoler. Parce qu'il fait rentrer Ribéry. À la place de. Je sais pas qui. Bien. On met sur Mertesacker. Hop. Il met la tête. Il est pas en jeu. Bah, peut-être que si, en fait. J'ai ça. Mi-temps. 2-1.
Non mais j'en reviens pas encore de la tête d'Otamendi quoi. Il a... Ouais. Les stats parlent d'elles-mêmes, on va dire. 7 tirs cadrés, 2 buts, après 50-50 de possession, quasiment. 100% des tirs réussis. Enfin, cadré. Alors que lui, 2 tirs, 1 cadré, 1 but. Et il fait rentrer Müller et Vidal. Donc, ce qui veut dire qu'il a une Bundesliga à côté. Allez hop. Allez hop. Allez hop. Ouais. Se tirer au bout, ce serait mieux quand même. Hein. Ah ouais, bon. Quelle passe, mais quelle passe magnifique! Un but de Mertesacker, mais j'y crois pas. Yes. Voilà, au moins le défi, on va dire, si je gagne, qu'il est 100% réussi. J'ai mis un but, un tir même. J'ai pas mis un but de la tête, j'ai mis un tir cadré, un but avec Mertesacker. Voilà, ça, on aime bien dans les défis. Je viens d'y repenser. Il y a des abonnés qui m'ont envoyé un message sur Facebook et sur Twitter qui m'ont dit ouais, est-ce que tu ferais, enfin, est-ce que tu feras même comme Loupel et tu partiras avec une équipe bronze? Manque de respect que j'ai envie de faire. Tu partiras avec une équipe bronze et au fur et à mesure, tu monteras et tu t'arriveras à une équipe en or. Alors, je ferai pas ça. Parce que je suis une merde finie à FIFA. Je pense que vous le savez depuis le temps. GG, Sech. Et Loupel, il peut le faire parce qu'il a plus de niveau que moi. Ça, je l'admets. Et donc, pour vous répondre, non, je ferai pas ça. Wouah, cette frappe. Vidal, il faut faire attention à sa frappe. Il a une pute. De frappe. Cette fois-ci, il est pas hors jeu. Mais c'est une blague! Mais il est hors jeu de ça, quoi. Je sais même pas comment l'arbitre il a fait. Oh non, 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 non! Arrête-toi! Yes! Dépaille, mon gars, dépaille! Pourquoi je fais plus? Dépaille! Dépaille, elle est pour toi! Qu'est-ce que ça fait plaisir de retourner sur ce jeu et de gagner, peut-être, et surtout de ne pas rager, voilà. Allez, un petit dernier. Un petit dernier. Vous vous foutez de ma gueule. Même comme ça, je fais des barres et des poteaux. Vas-y, je m'en fous, tu peux marquer, tu peux marquer. Eh ben, c'est qui a gagné? C'est qui a gagné? C'est moi! C'est moi, voilà, putain, qu'est-ce que ça fait plaisir de revenir sur ce jeu et de gagner. Et surtout, comme je vous ai dit, de ne pas rager. Oui, ma lumière s'est éteinte. Qu'est-ce que ça fait plaisir, mon Dieu. Et voilà, un but de Mertesacker, donc le défi est 100% réussi. Donc n'hésitez pas à me donner vos défis en commentaire, des défis réalisables. Pas des défis à la con, genre... Ouais, à chaque fois que tu te prends un but, tu vas dans la rue et tu cries « Je suis un connard et un FDP ». J'ai eu ce défi. Donc moi, je dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien. C'était Genetics. N'oubliez pas de me poser vos défis en commentaire. De lâcher un maximum de likes. Ça fait plaisir. De me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram. Et je me répète, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien, c'était Genetics et peace!